Shalom, shalom, paix dans le cœur, Béji Raphaël, le petit prophète du Bénin. Comment avoir ou bien devenir spirituellement fort, avoir un pouvoir spirituel si nous sommes quelqu'un qui travaille dans le domaine spirituel, qui donne des énergies, ou soit nous voulons avoir une force surnaturelle ou que lorsque nous faisons des invocations, quand nous faisons des prières, les anges, les puissances au-dessus puissent s'approcher de nous. Vous allez chercher les deux yeux du bois et les deux yeux de vipère, plus un tout petit peu de la queue de vipère. Vous allez chercher juste une pécale blanche. Où vous mettez ces trucs là-dedans. Après ça, vous allez chercher une petite queue de peau pour pouvoir les poudre pour que ça soit une forme de talisman. Maintenant, pour réveiller, donner de l'énergie, simple méthode à pouvoir consacrer. Vous devez avoir 7 bougies jaunes. Et vous mettez cette composition, les colis de tuc, vous mettez ça dans une petite verre claire. Les 7 bougies seront entourées, comme ça, et puis vous mettez au milieu. Vous mettez au milieu le petit colis. Il y a un nom, et c'est le nom-là que vous allez écrire. Et comment vous allez faire? J'ai oublié de vous dire. Vous voyez, vous prenez un papier rame. Et le nom, peut-être je vais le mettre en bas de la description. L'invocation de ce nom est tellement sacrée que je n'aime pas l'invoquer ainsi. Vous dites, Baorimu Basara. Baorimu Basara. Ce n'est pas comme moi, je l'invoque comme un enfant. Je ne veux pas entrer dans la profondeur, sinon c'est des vibrations qui prennent. Vous écrivez ce nom, Baorimu Basara, Baorimu Basara, Baorimu Basara. Lorsque vous avez écrit, vous faites croix ici, sur, devant chaque. Et le mot doit être invoqué 7 fois. Vous comprenez? 7 fois. Au moment où vous voulez, avant d'allumer la bougie. Donc, quand vous avez écrit le mot, avant de mettre les deux yeux dans le pécale, vous mettez les deux yeux sur l'écriture qui avait été écrite. Dans le cas contraire, si vous pouvez écrire ça sur le pécale blanc, là, vous allez écrire ça sur le pécale blanc. Il n'y a pas souci. Donc, ce qui compte est que les yeux du bois et du vipère avec sa queue doivent rester sur l'écriture. Et c'est de là que vous allez prier maintenant et faire son talisman. Donc vous posez ça dans un verre au milieu. Et vous invoquez, avant d'allumer la bougie, vous invoquez le nom, ce nom sacré, 7 fois. Après 7 fois maintenant, vous allumez la bougie. Lorsque vous avez allumé la bougie, vous allez réciter le psaume 17. Le psaume 17 sera récité 4 fois. Après avoir récité 4 fois, vous allez réciter maintenant le nom, si le nom sacré là. Vous allez invoquer ce nom 411 fois. Et puis vous allez demander maintenant aux anges ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Mais ce que ça fait, ça remplit d'énergie. Ça vous donne le pouvoir. Ça fera que vous-même, vous allez sentir votre énergie pleine en tout lieu, en toute catégorie. Et comment bénéficier chaque matin? Lorsque vous avez fait son talisman, le talisman de la chose, essayez de le coudrer. Mettez une corde sous forme chaîne et vous mettez sur votre cou chaque matin. Essayez d'appuyer légèrement contre votre poitrine et vous invoquez le nom là, 7 fois. Ceci va prendre contact avec votre cœur et cette énergie va devenir extraordinaire. Lorsque vous avez porté cette chose, habit de votre en bas, de votre habit,
vous portez par exemple 7 vues successives, cette énergie va s'incarner dans votre corps. Ce qui veut dire que à des moments donné, vous pouvez les redéposer. Mais attention, si vous déposez ça à un endroit qui est sale, ça va disparaître. Ça va disparaître. Donc cette amulette, lorsque on dit que aucun homme ne peut pas aller là-bas, ou bien on dit que personne ne peut pas l'affronter, ou soit on dit que le vieux là, il est un sorcier qui tue les gens. Si vous avez cette amulette sur vous, et puis vous entrez dans une salle, s'il y a un sorcier, le sorcier même va se déclarer. Secondo, dans une réunion familiale, si un sorcier est présent là, il ne va pas rester. Il ne peut pas rester devant votre présence. C'est une amulette que je vous ai donnée cadeau. Et cette amulette aussi est bonne pour quelqu'un qui travaille dans une société. Et vous voulez que les PDG, les DG vous aiment, vous, et puis vous serez respecté. Je vous jure qu'aucun démon ne peut pas vous approcher. Et vous aurez encore tellement de chances qui vont vous sourire. On m'appelle le petit prophète du Bénin. Béji Raphaël, shalom, la paix dans les cœurs. Que Dieu vous élève et que Dieu vous bénisse. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Je vais mettre le nom en bas de la description. Shalom.